Moi, ma carrière musicale, c'est comme un miracle au fait. J'ai vu beaucoup des artistes qui se sont battus corps et âme, jusque-là, ça ne va pas. Mais moi, quand je suis venu, mon deuxième son, on m'a déjà appelé à Paris pour un spectacle. Kai, ça pique. Otoku na vangane, beaucoup na onka toto, prenez place. Ça pique. Aïe! Moi, c'est Abdoulaye Salifou Barké, alias Abel Zamani, un artiste nigérien qui a commencé sa carrière à Accra. Né à Tawa, grandi ici à Niamey. Ma maman est de Tawa. Mon papa aussi, il est de Tawa. Il nous a quittés tôt, donc j'ai grandi avec ma maman, je parle la langue, donc Tawa Guida. Je me rappelle très bien, ici, quand j'ai voulu commencer, j'avais pas les moyens. J'ai eu l'occasion à Accra, pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas tenter. Presque tous mes idoles, c'est des artistes qui chantent trop dans les chansons sentimentales. Donc moi, j'essaie d'apporter ma touche à la nigérienne dans la musique afro-pop. Par exemple, Tabakaka, dès que tu entends Tabakaka, tu sais d'où ça vient. Quand tu entends Yetieta, tu sais que c'est une danse traditionnelle nigérienne. L'amour à l'homme dingue. C'est une histoire que je peux te raconter à huis clos. Je peux dire que c'est une histoire d'amour entre moi et une fille. Ça m'a donné les vibes, ça m'a donné les inspirations pour chanter l'amour à l'homme dingue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans l'amour. Je fais la collaboration avec Bissa Kédé. D'ailleurs, c'est un gars que je respecte trop. C'est un gars qui est très cool. Parmi les artistes que j'ai sollicités moi dans mon album, Bissa Kédé fait partie des gens qui m'ont beaucoup apporté. Donc la connexion, c'est entre lui et puis mon réalisateur. C'est lui qui nous a mis en contact. On a fait le fight avec Bissa Kédé. Pourquoi j'ai prié Tieta? C'est parce que, par exemple, lui, c'est un artiste que tout le monde connaît. Aujourd'hui, si j'amène un truc qui vient de chez moi dans la collaboration, tout le monde va lui poser des questions. C'est quoi Yetieta? C'est quoi Yetieta? Et lui, directement, il va dire, ça vient du Niger. Et là, je suis en train de promouvoir la culture nigérienne dans les autres pays. C'est un plus. Au Niger, je rêve de collaborer avec mes tontons. Denke Denke, Abdussalam, Fatima Rico, Pedro Ouma, Maliaro. J'ai déjà collaboré avec mon meilleur ami qui est Barakina. Oui, Zamani Music Worldwide. Au fait, c'est le nom de mon label que je vais bientôt ouvrir, Inch'Allah. Déjà, ça fait longtemps que je mets ça dans mes clips, presque tous mes clips. J'attends seulement le moment. Moi, j'essaie de m'adapter dans tout ce qui est à la mode. Par exemple, tu as vu l'afropop aujourd'hui, chaque 6 mois, chaque 1 an, il y a un style qui vient. Donc moi, je m'adapte en apportant ma propre touche. Il y a des gens qui disent toko toko samani moko. Au fait, c'est souka, souka gorko. Ça veut dire yaro nemishi. Il y a un jeune homme sur son temps. On peut dire un guerrier sur son temps. Le temps veut dire Zamani en Hausa, si je ne me trompe pas. Je vais même te faire ça. Sukagoro ko Zamani makonae. Donc tout ce que je fais, je prends mon temps pour bien faire ça et offrir un bon produit à mes fans. Je peux enregistrer un son aujourd'hui, je le garde pendant 3 ans. Si je n'arrive pas à trouver les moyens qu'il faut pour la réalisation, je ne le fais pas. Oui, LP, moi je peux dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, mon dernier concert, le public était présent. Et d'ailleurs, je les remercie. Ce sont ceux-là
qui nous soutiennent. Ils nous ont jamais lâchés. Ils sont en train de faire de leur mieux pour que la musique nigérienne aille loin. Aujourd'hui, quand tu veux te lancer dans la musique, tu es obligé d'être quelqu'un de patient et respectueux. Ça, c'est le conseil que je peux donner à tous les jeunes talents qui veulent se lancer dans la carrière musicale. Aujourd'hui, ce que je peux dire à la jeunesse nigérienne, c'est de se réveiller. Il est encore temps. C'est maintenant ou jamais. Travailler dur, de faire confiance à leur travail. Girman kay kayahana kanema halalika. Moi, ma carrière musicale, c'est comme un miracle au fait. J'ai vu beaucoup d'artistes qui se sont battus corps et âme, jusque-là, ça ne va pas. Mais moi, quand je suis venu, mon deuxième son, on m'a déjà appelé à Paris pour un spectacle. J'avais même pas de clip. Aujourd'hui, tout ce que j'ai là, c'est la musique qui me donne ça. Pour le projet de la classe, comme c'est une promesse que je fais à mes fans et à tout le monde, c'est en cours, on a déjà commencé, c'est presque fini. Inch'Allah, d'ici quelques semaines, on va finir tout ce qu'on doit faire pour inaugurer la classe. C'est pourquoi j'ai dit, un artiste peut beaucoup contribuer. Un artiste, c'est un exemple, c'est un messager, je peux dire. Donc, c'est comme si on amène aussi notre contribution à l'État. On ne va pas attendre dire que c'est l'État qui doit tout faire. Si tu sais que ton enfant est dans l'école, tu es obligé de faire un geste. Et pense à ces enfants-là. Aujourd'hui, tous ces enfants qui sont dans les écoles-là, ce sont nos petits frères, ce sont nos enfants. Là, il y a Charhabil Adamou qui me pose une question. Tu vas te marier quand? C'est pour bientôt, Charhabil, c'est pour bientôt. Wamba, mais Martha Baki demande quel est ton programme pour l'année 2023. Il y aura plein de surprises, wallahi. J'ai dit wallahi, il y aura plein de surprises.